c'est la fin de tour. Oh, putain, ça a l'air stoppé. Hein ? Ça me coûte cher. Éleveur, écoutez, je sais pas quoi te dire, hein, Stéphane. Film, la famille sur. Ah oui. La septième prochaine enquête des commissaires, le résultat est maintenant. Arrivez maintenant pour Pierre-Patrice. Prenez, c'est pas trop risqué normalement. On en parlera après. Pour l'instant, photo, voilà, regardez, déjà super bête qui derrière. Et là, c'est Pierre-Patrice qui pose. Avec monsieur Thomas, qui est également des galopeurs. Oh, est-ce que tu t'es fait peur avec Bocador de Cime ? À vous dire que je ne me suis pas fait peur, oui, je me suis fait peur. On ne veut jamais qu'un cheval se trompe dans ses allures aux abords du poteau, parce qu'on connaît le règlement par cœur. Maintenant, j'étais assez sûr de moi, dans le sens que le cheval, je savais qu'il n'avait pas fait la foulée de galop fatidique et qu'il n'avait pas fait 5 foulées. Il s'est trompé en s'accélérant, mais vraiment, ça a duré l'espace d'une seconde, donc j'étais assez sûr de moi. C'était pas une faute de fatigue ? Non, loin de là, c'est quand j'ai demandé de se réaccélérer, quand j'ai entendu Joss venir en dehors et qu'il finissait très vite, je lui ai demandé d'en remettre une petite clochette et en se précipitant, il s'est trompé. Mais c'est des fautes de jeunesse. Voilà, allez, même pas. Sur le déroulement de course, est-ce qu'en montant, tu as eu aussi un petit peu peur de te retrouver un petit peu bloqué ? Non, pas du tout. Je trouvais que le cheval, on avait fait un début de parcours assez mouvementé, assez rapide. C'est un cheval important, ce sont des jeunes chevaux et ce ne sont pas des machines. Et si on montait trop vite, comme ça s'est passé, on finit doucement. Et si vous regardez les partiels, on s'aperçoit qu'on a fini 3 secondes moins vite qu'on allait dans la montée. Finalement, est-ce qu'il y a encore de la marge avec ce Bocador de Cime ? Oui, vous savez, il fait 1m75 au garrot. Il y en a beaucoup à son âge qui sont incapables de faire ce qu'il fait. Je pense que c'est un cheval en devenir. En plus, c'est la première fois qu'il s'élance, enfin, qu'il vient finir sur les autres. Il a souvent été devant. Donc là, c'est quand même une bonne prestation et c'est bon pour l'avenir. Joss, avec Brillantissime, ça s'est joué à peu de choses finalement. Ouais, dans le dernier tournant, si je sors plus tôt, c'est moi qui a peut-être gagné, je pense que j'ai gagné. J'étais dans le dos à Jean-Mi, je pense qu'il était plus facile que ça. Monsieur Rimbaud, le mien il va plus vite que les autres, mais j'étais un peu loin. Finalement, c'est les circonstances de course qui font que tu es battu aujourd'hui ? Bah oui, c'est les circonstances. J'avais calculé ma course un peu sur la fin, et ça s'est mal passé. Sinon, sur le reste du parcours, en montant, pour toi, il n'y a pas franchement eu d'ennui pour toi de trafic ? Quand je suis venu facile. J'étais obligé de faire quelque chose parce que j'étais trop loin à la corde. Alors, en montant, non, je fais juste 50 mètres pour doubler l'adversaire en dedans. Et puis j'ai pris le dos à Jean-Louis, c'est bien passé. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose au passage du poteau. Est-ce que tu le penses vraiment meilleur que Bocador de Cime, ce Brillantissime ? Ouais, ils sont bons tous les deux, attention. Brutus, troisième, c'est une super performance. Bah, le cheval court très bien. Il est très bien parti, et après, je sais pas, il a dû s'affoler un peu mieux des autres. Il a bricolé pendant une vingtaine de mètres, ce qui nous fait passer à l'arrière-garde. On a mis un lasso un peu plus courri, il l'avait parfait, il a voulu qu'on rallonge le lasso, un petit peu trop tendu dans le parcours. Après, Franck, il nous fait mal en nous contrant en montant. Après, il a amené sa course, quoi. Il est battu juste à la fin, quoi. Bon, ouais. Ça fait beaucoup d'éléments contre lui, quand même. Ouais, ça fait beaucoup d'éléments. Maintenant, on est, entre guillemets, on n'arrive pas à la gagner, quoi. Bon, on va peut-être y arriver un jour. Il lui manque quoi, justement ? Ah, je sais pas, faut qu'ils étendent plus que ça dans le parcours. Trop vaillant dans le parcours et bon, qu'on soit un petit peu plus chanceux qu'on y est à chaque fois. Avec le président de la République. Eric, qu'est-ce qui s'est passé avec Billy ? Bah Billy, en dernier lieu, on l'avait allégé. Et bon, on n'avait pas trop couru, il m'avait laissé faire et tout. Et là, sous l'effort, elle m'est tombée légère. Je pense que faut qu'on lui remette son poids, tout simplement. T'étais battu ou pas ? Pas plus qu'un autre. Non, j'avais autant de gaz que Brillantissime qui était à ma gauche. Donc, à refaire.